18 mars 1927, Yvonne fait son entrée à Malétroit et prend le nom d'Yvonne Aimée de Jésus. La communauté des sœurs sait qu'Yvonne Aimée n'est décidément pas comme les autres. Gravement malade, elle échappe mystérieusement à la mort. Il lui arrive d'apparaître en deux endroits à la fois. Et elle reçoit régulièrement les stigmates. Je l'ai vue dès 1927. Elle était entrée en mars et je pense que c'est en avril qu'elle a eu sa première semaine sainte. En fin de matinée, Bérange Gardien, sortant avec les novices au jardin, m'a demandé d'aller près d'elle. Alors, j'ai vu le couronnement d'épines. Je ne voyais pas bien sûr les épines, mais je voyais les effets sur son front avec du sang qui coulait. Alors, je lui ai proposé d'éponger, de faire quelque chose. Elle m'a répondu, non, je ne pense pas qu'elle me dit, je crois qu'il vaut mieux laisser et ça va se coaguler. Alors, je l'ai laissée comme ça et elle était toute simplement. Dans la soirée, alors, l'office du chœur allait commencer. Moi, j'étais déjà au chœur et on est arrivé me chercher, mais Yvonne me demandait. Je suis arrivée chez elle, sa fille, c'était très impressionnant. Elle était carrément sur son parquet, crucifiée. Elle avait les bras étendus, les mains pleines de sang, il y avait du sang partout, sa chemise de nuit, elle est très très... Alors elle m'a fait l'embrasser, je l'ai regardée pendant quelques minutes et je suis repartie. Elle était consciente des présences qu'il y a là. Ça s'est passé en 27. Alors je l'ai vue. Je pense que c'est l'année suivante, avec toute la communauté, elle était dans une cellule d'infirmerie, elle était également étendue sur son parquet, et toute la communauté a défilé, mais le temps de 3 secondes, simplement pour la voir, ne pas la fatiguer trop tout de même. Enfin, à peu près toute la communauté l'avait vue ce jour-là, je pense. Et encore, il y a certaines qui ont dit, à sa mort, qu'elles ignoraient tout. C'est ça que je ne comprends pas, mais c'était peut-être un vouloir divin aussi. Oui, parce qu'elles auraient dû savoir comme les autres. Non, elles n'avaient rien remarqué. C'est curieux. Mais il y a eu des choses comme ça, voyez-vous. On voyait quand le bon Dieu voulait qu'on voit, ou que Mère Yvonne Aimée voulait qu'on voit, sans en passer à côté, sans en apercevoir.